Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 28 janvier 2024, 15h21, ou 15h21 plutôt, heure du Québec. Merci à Simon Poirier qui nous a envoyé un lien extraordinaire qui est passé sous silence pendant un an. On vient de nous l'apprendre, de nous le révéler. C'est TVA Nouvelle qui nous apprend que de mystérieux ovnis dans la région de Sherbrooke, au Québec, ont été observés l'hiver dernier. Des mystérieuses lumières sont apparues dans le ciel de Sherbrooke. L'hiver dernier, ont été aperçus par les pilotes de plusieurs avions de ligne, montre un rapport d'incident de Transport Canada déterré par CTV News vendredi. Plusieurs aéronefs ont signalé apercevoir deux ou trois lumières vraiment étranges dans le ciel, hautes au-dessus des trajectoires de vol, est-il écrit dans le rapport sur l'événement survenu dans la soirée du 12 février. 2023, donc un petit peu plus d'un an. Les lumières sont demeurées visibles pendant une demi-heure et se déplaçaient de façon irrégulière à une altitude de 50 à 60 000 pieds, une hauteur bien supérieure à celle des avions de ligne qui se maintient généralement entre 30 et 40 000 pieds. Au moins trois pilotes ont signalé avoir aperçu les lumières, est-il précisé dans le rapport? La distance est dure à évaluer, mais nous sommes à 35 000 pieds. Alors, elles doivent être à au moins, je ne sais pas, mais 50 ou 60 000 pieds, raconte un des pilotes. Et elles semblent se déplacer, a notamment décrit un membre d'équipage d'un vol de cargo luxe italien reliant Chicago au Luxembourg. Le témoin, en communication avec la tour de contrôle, a ajouté que les lumières étaient brillantes et blanches. C'est comme si c'était un satellite, mais ça bouge beaucoup trop vite. En fait, ça se déplace à une vitesse normale pour un satellite, c'est beaucoup trop vite, a-t-il dit en ajoutant que la lueur diminue et revient ponctuellement. Le contrôleur a informé l'équipage du cargo qu'il n'était pas les seuls à avoir aperçu les objets volants non identifiés, donc je présume qu'on n'est pas en train de rêver, j'imagine, s'est amusé la personne à bord du vol de cargo luxe. Au total, CTV News a trouvé 17 signalements d'OVNI dans les rapports d'incidents de Transport Canada pour l'année de 2023. Selon les données compilées actuellement par l'ufologue canadien Chris Rutkowski sur son blog, les Québécois sont particulièrement réputés pour leur grand nombre d'observations d'OVNI. En 2022, 768 quand même observations avaient été signalées au Canada, dont 29% au Québec, suivi par 28% en Ontario. Fascinant, on est dans un autre registre, je vous l'ai dit. On n'a pas fini d'en parler. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est fascinant.